cette image, vous pouvez apprécier deux exemples très, très fameux qui sont la lampe parenthèse et la lampe qui s'appelle lampadina. Et les deux sont la synthèse d'un parcours parfait de dépouillement du superflu pour arriver à un résultat final, et c'est l'essence de la lumière. Deuxième révolution la plus importante après l'invention de l'ampoule électrique dans le monde de l'éclairage est survenue dans les années 90 quand on a commencé à utiliser les LED. La lampe nomade, c'est la tendance d'aujourd'hui. C'est le symbole de vouloir un peu s'affranchir, pas seulement des câbles électriques, des prises, mais aussi de la fixité d'une pièce éclairée et pouvoir porter avec soi la lumière partout. En fait, on retrouve un peu l'idée de la bougie. Partiamo da questa, questo gala del Metropolitan. Partons de ce gala du Met à New York. Del 2019. En 2019. Dove Katy Perry. Katy Perry. Di Jeremy Scott, disegnato per Moschino. Avait endossé cet habit pour Moschino. 2019. E questa è la rappresentazione di quanto sia effimero il concetto della moda. On voit bien combien la mode est éphémère. La luce, l'oro, l'argento. La lumière, l'or, l'argent. Le ritroviamo. On les retrouve. Per l'inverno 2019. Dans la collection pour l'hiver, automne-hiver 2019. Periodo, nella collezione Gucci. Dans la collection Gucci. Di Alessandro Michele. Du directeur de la création Alessandro Michele pour la maison Gucci. Questa fase. Di una lenta trasformazione trova cette phase de lente transformation s'accélère ensuite. Cette transformation est due bien sûr à la crise sanitaire que nous connaissons, que nous vivons en ce moment. Pier Paolo Piccioli pour Valentino deve realizzare una sfilata senza pubblico. Doit réaliser du fait de la pandémie un défilé sans public. Jeremy Scott pour Moschino sceglie un'altra strada per poter... choisit un parcours différent, un autre cheminement pour répondre à cette même question e prepara una collezione per una sfilata fatta con le marionette. Et il prépare pour son défilé une collection faite de marionnettes. L'objet divin, en fait, il est importé en Europe par les Arabes parce que divin, c'est un mot persan que ça signifie ensemble d'assises matelassées. Notre déclinaison du canapé, c'est la boudeuse. C'est un canapé pour les gens qui n'ont pas envie de se parler, donc ils restent dos à dos. Dans les années 70, on assiste à une transformation et l'envie d'interpréter un peu de façon ludique le meuble canapé. La tendance de la dernière décennie, c'est de reconstruire, recréer un peu la forme enveloppante du canapé et de sa fonction de dialogue entre les personnes.
l'opulenza, tipiche sempre... La richesse, l'opulence que l'on trouve dans la tapisserie au départ, eh bien, on les trouve de plus en plus dans la mode. Dolce & Gabbana reprend une certaine tradition. Arriviamo alla sfilata di Dolce. On en arrive à son défilé du printemps. Il profite de faire un défilé au moment du déconfinement en public. L'idée de base est de réutiliser tout ce qu'on a à disposition. I tessuti, i capi. Les tissus, les vêtements qu'on reconstruit, qu'on remet ensemble, qu'on mélange. Il messaggio è quello. Il message. Abbiamo prodotto troppo, che dobbiamo pensare. Nous avons trop produit, nous devons donc réfléchir à nouveau. La moda è alla ricerca della sua strada. La mode donc recherche un nouvel équilibre, une nouvelle voie. Tout le monde, le riche, il pouvait se permettre de, d'avoir une pièce dédiée totalement à un espace de réception. Et c'est à ce point-là qu'il commence à naître des cafés littéraires, des lieux publics. L'évolution, c'est donc Le Corbusier et l'école Bauhaus. Le panorama, la vue, va remplacer totalement les finitions, donc les textiles pour les rideaux, l'importance qu'ils avaient les murs pour accrocher les tableaux. La tendance aujourd'hui, alors, la grande ouverture vers un panorama qui peut être soit naturel, soit urbain. Et de l'autre part, il y a en même temps une tendance aussi à avoir recréé un cocoon fermé avec des matières chaudes. La première vraie baignoire est dessinée par la Regina Maria Carolina de Naples à la fin de 1700. La salle de bain, elle devient colorée. C'est pour inviter les gens à l'utiliser avec une façon un peu plus ludique. Alors l'Italian style, on le voit surtout dans les derniers deux décennies, veut vraiment la chambre en communication avec la salle de bain. Et Francesca Ruffini a créé une collection où les habits sont vraiment une continuation, quelque chose qui continue les accessoires de la maison. Ici, la marque des frères Katz, dans leur dernière collection, c'est très original, pendant la semaine de la mode à Milan, a été présenté ce défilé complètement in digitale, qui a été entièrement montré en voie numérique, en ligne. Tutti i temi della moda di questo momento. Donc ce sont là les thèmes de la mode actuelle. La diversità. La diversité. Il superamento delle differenze di razza, di genere, di età. Aller au-delà des différences de d'âge, de race.
place italienne, donc ils ont une forme irrégulière. Et on rentre toujours par un ruelle placé sur un côté ou sur un angle. Cette façon de se rapprocher au grand espace vide de la place, ça nous donne un effet de merveille, un effet théâtral. Ça, c'est pour souligner un peu la différence entre la merveille et la surprise des places italiennes et la monumentalité des places françaises. Dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome, dans la place du marché, on échangeait pas seulement la marchandise, mais aussi des idées. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver le vrai sens du marché. Le vrai sens du marché, c'est d'échanger avec les gens et c'est recréer un tissu social. Et poi la Piazza del Duomo a Milano, Moncler, qui est un marchio tutto italiano adesso. Moncler, qui est une marque qui est maintenant entièrement italienne. La collection qu'on a vue avant était celle qui était présentée par Giambattista Vanni. Et ici, c'est celle de Pierpaolo Piccioli qu'on avait vue l'autre fois, la semaine dernière, pour Valentino. Il mercato diventa, come detto, il supermercato. Le marché devient supermarché, des lieux où se retrouvent beaucoup de personnes, des lieux d'agrégation, comme dans cette présentation, par exemple, de Gucci. In questa presentazione a Lecce, in Piazza del Duomo di Dior. Je voudrais vous montrer ici et vous parler un peu du défilé Dior qu'il y a eu au mois de septembre à Lecce. Et il part de la tradition de la Taranta. La tradition de la Taranta qui a donné la Tarantella et la Pizzica, donc dans le sud de l'Italie, en particulier dans les Pouilles. On croyait, c'est une croyance qui est une croyance païenne, on croyait que les personnes, et notamment les femmes surtout, étaient mordues par une tarentule, donc par une araignée, d'où le nom à Taranta. Et donc pour faire une sorte d'exorcisme, est née la Tarantella, la Pizzica, donc cette musique et cette danse qui est une danse de libération.